tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul action. J'y ai été ce matin vite fait. Et bon, alors j'ai pas trouvé ce que je voulais. Mais par contre j'ai trouvé des nouveautés pour moi, enfin à Toulouse en tout cas. Donc on commence par, j'ai pris du ruban comme ceci, satin. Donc c'est un gris très très clair. Voilà. C'était, je sais pas, 80 centimes, 90 centimes. Ensuite, j'ai trouvé, et là, ben, j'ai trouvé que c'était des roses pailletées comme ceci. Donc, c'est un violet foncé. Voilà. J'ai trouvé que c'est deux. Ensuite, j'ai trouvé des petites fleurs à dentelle. Comme ceci. Donc, là, c'est jaune. Jaune. Une tarte, je sais pas trop. Voilà. J'ai trouvé en rose. J'ai trouvé en blanc. Et j'ai trouvé en rouge bordeaux. Rouge foncé plutôt. En bleu. Et en vert. Voilà. Donc ça, je suis bien contente d'en avoir trouvé. Je n'en avais pas beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé des boules de Noël en fait, comment ils appellent ça? Stickers autocollants, ouais. Mais en forme de boules de Noël. Donc, ils sont trop trop beaux. Voilà. J'ai trouvé celui-là. J'ai trouvé celui-là. Qui est magnifique. Voilà. J'ai trouvé celui-là. Et celui-là. Voilà. Là, je suis trop contente, je les adore. Ensuite, j'ai pris des rubans comme ceci aussi. Alors ça, c'est gris foncé. Et ça c'est blanc. Voilà. Donc là il y en a. Il n'y a pas marqué. 3 mètres. 3 mètres. Voilà. Ensuite, j'ai pris des perles comme ceci parce que je n'avais pas de cette couleur. Donc dans un marron doré. Voilà. J'ai pris dans les blancs et noirs. Et dans les bleus clairs et blancs. Et celui-là, c'est un marron doré plus clair que celui-là, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai pris pour mes futurs objets décoratifs que je dois faire pour Noël. En admettant que j'arrive à tout faire, parce que je vous dis, je crois que j'ai pour plus d'un an de travail dans ma tête. J'ai pris du papier à poncer. Alors c'est du moyen, voilà, c'est pour poncer légèrement, vous savez, quand je peins les boîtes en bois ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'était 1 euro 99 centimes. Ensuite pareil, j'ai pris des trucs comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, hein. Câble type, collier de serrage, voilà, pardon, en nylon. Pour pouvoir attacher mes décors de Noël, ça peut aider. J'ai eu l'idée l'autre jour. Donc mon mari en a des plus petits, voilà. Et là je suis tombée sur des longs qui font 4,5 sur 350 mm. Donc voilà. Du coup je les ai pris en blanc. Il y avait un noir aussi. Moi j'ai pris blanc parce que je me dis que ce sera plus facile dans mes décors. Sachant qu'il y avait toutes les tailles, et comme moi j'ai les petits, déjà je n'ai pris que des grands. Parce que je me suis dit que s'il faut, si je veux m'en servir pour les couronnes ou quoi, du coup, ce sera, les petits seront peut-être un peu trop petits. Ensuite, j'ai pris de la mousse 3D. Ouais, parce que je vais en avoir beaucoup besoin si j'arrive à faire tout ce que je veux. Du coup, j'en ai quand même pris deux parce que ça part beaucoup. J'ai repris aussi des rouleaux de mousse 3D
3D, donc elle fait 1,8 cm, pardon. Voilà, d'épaisseur. Donc pareil, ça, par contre, j'en ai pris 3. Ensuite, j'ai pris cette bombe. C'est une sous-couche en fait. Ça remplacera le gesso. Voilà. Je l'ai pris pour essayer. Ça peut être pratique pour me faire gagner du temps. Parce que là, c'est vrai que là, je suis en mode un peu stress du coup. Parce que le marché approche et du coup, je vois pas comment j'arriverai à tout faire. Alors du coup, je me suis dit, je vais l'essayer. Parce que ça peut me faire gagner du temps. Plutôt que de passer le gesso, tout ça, au pinceau, machin. Je fais pchit et c'est plus facile à tester. De toute façon, vous le saurez ce que ça vaut. Je vous le dirai. Ensuite, c'est pas pour moi. J'ai pris du cardstock comme ça, multicolore. Voilà, on me l'avait demandé. Donc, je l'ai pris parce que l'autre fois, j'avais trouvé que le blanc et jaune. Et il n'y avait pas de couleur. Et là, j'ai trouvé toutes les couleurs. Donc, ça. J'ai trouvé. Ensuite, je suis trop contente. J'ai trouvé des nouveaux die cuts. Alors, je suppose qu'ils ne doivent pas être nouveaux, mais chez moi, ils sont nouveaux. Donc, voilà, c'est ceci. Donc, je vous montre. Je vais vous montrer rapidement, puisque je pense que vous les connaissez. Parce que ça m'étonnerait qu'on soit les premiers à les avoir quand même. Voilà, je vous montre le dos. Là, j'ai trouvé celui-là. Voilà. Donc, je vous montre. Bien sûr, ils sont pailletés. Je trouve trop trop mignon, ça là. Alors, par contre, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, j'ai trouvé celui-là. Qui est trop mignon. Sont trop jolis. Bon, après, il y en a qui sont plus jolis que d'autres. Et pour finir, j'ai trouvé celui-là. Alors ça, c'est mon gros coup de cœur, mais ça ne vous étonnera pas si vous me connaissez. Voilà, j'adore. Ça me fait le même effet que ceux de l'année dernière, là, que j'avais craqué dessus. Donc, ils sont trop, trop beaux. Celui-là, voilà, c'est magnifique. D'ailleurs, j'aurais dû en prendre plusieurs. C'est pas compliqué. J'aurais dû en prendre plusieurs. Donc voilà. Par contre, ceux-là, là, les die-cuts, je les ai trouvés qu'à l'Onagi. À Fenouillet, il n'y en avait pas. Ou il n'y en avait plus, je ne sais pas. Donc voilà. Je ne vous ai pas montré le dos, je crois. Il est juste magnifique celui-là. Donc voilà, gros coup de cœur sur celui-là, bien sûr. Les autres aussi, mais c'est pas pareil. Ensuite, j'ai pris une nappe noire comme ceci, qui était à 5 euros, je crois. Donc elle fait 1,60 m sur 2,75 m. Voilà. Elle a 100% polystyrène. Voilà.
J'aime bien le noir. J'ai failli prendre le gris, mais bon, j'ai dit... Parce que celle-là peut me servir aussi pour les marchés. À voir. Un peu pour tout, quoi. Ensuite, j'ai craqué sur ce plateau en bois de Noël. En fait, c'est pour le décorer, forcément. Donc, il y était en blanc. Il y était dans cette couleur-là. Moi, j'ai pris cette couleur-là parce que normalement, à l'atelier, je l'ai en blanc de l'année dernière. Donc, je pense faire un paysage, le faire en serviette. Bon, à voir. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris des sucres d'orge parce que j'ai des projets pour faire des pochettes cadeaux pour les enfants pour vendre pour le marché. Et du coup, je vais y mettre des petits sucres d'orge. Pas des cannes à sucre, donc voilà. Donc ça, c'était 1 euro. Ensuite, j'ai trouvé du papier pailleté. Alors, je l'ai pris parce que ça fait un moment que j'en trouvais plus. Donc voilà, il y a plusieurs couleurs dedans. Après, vous les connaissez, donc... Hop. Oups. Donc, nous avons bleu, argenté, gris, foncé, il est trop beau, celui-là. Rose, violet, vert, et doré. Voilà. Donc, ça, c'est 1 euro, hein. Donc, c'est pas très 19 ans ici. Voilà. Hop, ça. Voilà. Je me suis repris une boîte comme ça à 1,60€ ou 70 avec le rangement dessus. Parce que là, j'ai besoin de rangement. Puisque je fais 50 petits trucs en même temps, du coup, au moins avec ça, ce qui est Noël, je le mets là, ce qui est vintage, je le mets à côté. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que j'en ai pris une de plus. Et puis, j'ai trouvé les papiers cadeaux pailletés. Alors, merci Marie, parce que j'ai rencontré Marie. Et du coup... elle les avait pris. Alors, je lui dis merci parce que moi, je les voulais. Mais franchement, je ne regardais pas au bon endroit. Ils étaient juste devant moi par terre. Et moi, je ne les ai pas vus. Moi, je regardais toujours au rayon en papier cadeau. Et en fait, ils sont en bout de rayon. Dans les petits cartons. Là. Et on n'aurait pas blablaté. Et elle ne m'aurait pas dit, ah, oh, t'as vu ben, je ne les aurais pas vus. Voilà, donc merci. Ça, c'est 1,20€. Alors, moi, j'ai pris le noir qui est magnifique. Donc, voyons si c'est épais. Alors, elle m'a dit qu'elle en avait pris et que c'était un peu plus épais qu'un papier cadeau normal. Ah oui. Ah oui, je pense qu'on peut faire des découpes. Voilà. Un noir. Enfin, gris, gris noir. J'ai dit que c'est plutôt gris. En doré. En gold, il est magnifique celui-là. Vraiment trop trop beau. Et en argenté. Voilà. Ça, je crois que c'est 1,20€ le rouleau. Voilà. Et je crois que j'ai pris toutes les couleurs. Donc, franchement, j'adore. Et ouais, t'avais raison, Marie. Il est super épais. Donc, c'est cool. Enfin, super épais, je m'entends. Hein. C'est pas du 210 grammes non plus, mais par rapport au papier cadeau normal. Voilà, je pense qu'il y a moyen de faire de super trucs avec. Donc, je commence à avoir plein d'idées avec ça. Donc, voilà. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vite fait vous a plu. J'espère surtout que je pourrai la télécharger. Voilà. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.